Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Une très 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 bonne nouvelle que Dieu m'a entendue. Voilà. Alors, on a fait un sacré effort aujourd'hui, On a récupéré, pas aujourd'hui, mais on n'a pas le choix. Faire la livraison. Ben, bref, c'est pas grave. Il va avoir une super sono à côté de moi. Moi, j'ai une petite jouet. Louis, il a une Ferrari. Je sais pas. Bon, je plaisante. Alors, son compte. Alors, pour une fois, DJ Nono va travailler honnêtement. Il est honnête avec vous et avec moi et avec vous et avec moi. En gros, pour la première fois, DJ Nono s'est payé un contrôleur de chez Newmark, et croyez-moi, un Newmark de 299 € prix sonovante. Il n'a jamais bossé avec contrôleur, il a bossé comme moi avec des platines tournées disques. C'est vrai, hein? C'est tout ce qu'il a sait faire, les platines tournées disques, des pachins qui ça te mange là. C'est bon, un disque. Hein. En gros, c'est bien. C'est bien. Elle est passée au contrôleur, maintenant il va ici. Donc, il va avoir un logiciel fourni avec. Et tout ça, mon tatati. Alors, par contre, pour les enceintes, alors, on a été ni voir Yamaha, ni voir Alto, ni voir HK, audio bien sûr, ni voir. Une autre marque, là j'ai oublié son nom, mais pour être honnête, il a pris éloquence haut de gamme. Je sais pas comment il a fait, mais les satellites ils sont en passif et le caisson, il est amplifié. Alors attention, le caisson double ampli. Qui veut dire l'ampli du caisson, il fait 500 watts et l'ampli pour les enceintes, ils font deux fois 150 watts. Donc les enceintes, deux fois 150 watts RMS. Attention, je précise bien, comme 500 watts RMS. Par contre, pour les enceintes, c'est 200 watts RMS, comme les miennes là, les à côté. Donc voilà. Donc, comme les petites machins là. Mais, croyez-moi, c'est une bombe. J'ai vu la preuve, elle n'a pas mis très fort, mais il y avait un machin là, elle a fait comme ça. Vous imaginez, le papier, il a fait. Ça, c'est le papier. Donc voilà, il a sauté en l'air, mais il était grave. Franchement, on a entendu, c'était bien. C'est vrai qu'on avait misé. Non, alors par contre sur la fiche, sur la fiche de sonovante, on a vu une petite erreur qu'ils ont faite. Deux fois 200 watts, qui fait 400 pour moi, plus 500 watts l'ampli. Donc ça fait bien 500, ça fait 900. Donc ils ont marqué 800. Donc c'est éloquence 800C. Vous croyez-moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Moi je connais pas. Honnêtement, je connais pas. J'ai jamais connu, j'ai jamais. Passer par ce milieu, mais franchement, on a été dans ses moyens. Il voulait mettre un peu plus. Mon problème, c'est que il fallait serrer un peu la ceinture, comme on dit. Et voilà, il manquait plus que 200, il manquait plus que de billets verts. Non, deux fois 50, 200. Billet de 200, un billet de 200 quoi. En gros, il manquait plus qu'un billet de 200. Et c'était franchement. Voilà, il manquait. Bon, bref, c'est pas grave, il n'en veut pas. Donc, c'est pas grave. Donc, franchement, il est content. En plus, il a un système loge-pad dessus.
pas Logpad, c'est le pad. C'est pas un Logpad, mais pardon. Mais pardon, c'est pas ma faute. C'est venu tout seul. Bon, bref, voilà, c'est quelque chose de franchement. Désolé pour la qualité à cette heure-là, mais bon, voilà. Bref, donc vous inquiétez pas. On va vous faire une vidéo. Normalement, il doit recevoir ça lundi matin, à la base, hein, je pense. Lundi matin au plus tard mardi. Vous voyez? Donc au plus tard mardi. Mais franchement, franchement, je suis pressé de filmer cette vidéo. Bien sûr, je vais le faire en plusieurs parties pour que vous puissiez comprendre. Et bien sûr, on va donner la gomme. Je vais emmener ma petite pionnière pour voir si ça marche pas. Non, hein, je pense pas. Je vais peut-être emmener un tourne-disque pour voir si ça pousse pas. Voilà. Bon, sérieusement, donc en gros, voilà, il y aura ça. Alors, il s'attaque déjà pour le matériel comme ça. Après, fur et à mesure, il prendra les jeux de lumière, les ceci, et bien sûr, la machine à bulles. Sinon, c'est pas, on va pas prendre ça. Il va prendre une jeu de lumière. Non, pardon, une machine à fumer. Non, brouillard, brouillard. Brouillard, il faut prendre le brouillard. Il va tellement être voir dans le brouillard, lui. Et comme ça, les filles et les garçons, jamais ils ne se voient pas. Ils seraient capables de s'embrasser entre eux. Ouais. Bah, par exemple, lui, il a, bah, déjà, il l'a déjà fait en soirée. Hein. Hein, quoi? Ça va pas. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Vous inquiétez pas pour la vidéo. Je suis désolé de pas la présenter aujourd'hui. Vous imaginez balader le caisson de Palaiseau jusqu'à Mantes-la-Folon. Oui, 39 kilos. Juste les caissons. D'accord? Juste les caissons sans compter les enceintes. Alors, ça fait un total. Il y a eu un poids de total 90 kilos. Environ, hein. Donc, si je m'abuse pas, un peu moins même, un peu moins, mais bon, on va dire 40, ouais, c'est ça, 90 en gros, on va dire en gros, avec les cartons, tout ça, ça revient à 90 kilos en gros, voilà, donc c'est pas mal, pour un petit truc, c'est pas mal, voilà. Bah écoutez, comme... vous verrez la prochaine vidéo sur DJ Nono qui est là présent à côté de moi et surtout sa vidéo et aussi on va mettre aussi sur sa chaîne, vous inquiétez pas, il y a une chaîne stéréo lui aussi, donc vous inquiétez pas, on va mettre aussi sur sa chaîne stéréo YouTube. Ok, allez, bye bye.